Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette dernière banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique et aussi le signe que la fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Le monde tel que nous le connaissons, est sur le point de disparaître. Et cette nouvelle fonction de la peur comme vecteur de clairvoyance qui explique, à mon avis, l'atmosphère de survie dans laquelle semblent baigner nos contemporains. Parce qu'à lire la presse, à écouter les commentaires, on a le sentiment que l'apocalypse est au bout du chemin et que demain, nous allons nous effondrer dans le chaos. Ce qui fait toujours beaucoup rire les pays pauvres. Et ce qu'on peut reprocher au fond à l'écologie négative ou à l'écologie punitive, c'est son pessimisme foncier, c'est son défaitisme, c'est qu'au fond, pour elle, on est déjà dans l'apocalypse. C'est une apocalypse sèche, c'est-à-dire que ce n'est pas une révélation comme dans la religion chrétienne ou juive, c'est tout simplement la fin du monde. Parce qu'effectivement, c'est une aventure à haut risque.